Janvier, j'ai laissé ma meute de chiens à sanglier au repos pour une expérience de chasse, l'approche du chamois. Je me prépare avec minutie et me concentre sur mon objectif de la journée. Pour cette chasse, il va falloir se fondre dans la végétation et être la plus discrète possible pour observer et approcher au mieux les chamois. C'est pour cela que j'ai sélectionné un équipement adapté, sûr et fiable. La carabine que j'utilise est une arme spécifiquement conçue pour les femmes, la Weatherby Camilla en calibre 308. L'objectif de la journée sera le prélèvement d'un éther-loup. Débusquer un animal âgé entre 12 et 18 mois avec des cornes en dessous des oreilles ne sera pas une tâche facile, mais j'aime relever les défis. C'est accompagné de Thomas, guide de chasse professionnel chez Actéon, que nous nous engageons dans ce massif bas-alpin. Très vite, les premiers animaux sont repérés. Mais dans la chevrée observée, aucun animal ne correspond à notre objectif. Il faut beaucoup de concentration pour réussir à repérer les animaux dans ce mélange de végétation et de rochers. Un très joli bouc qui démarre à moins de 80 mètres de nous. Regardez avec quelle agilité il se faufile dans la végétation. Ici, un autre chamois joue l'équilibriste, perché sur un rocher, repéré à plus de 500 mètres. Après 2 heures de marche à avoir exploité le bas du secteur, nous nous décidons de prendre la direction du sommet, à plus de 1800 mètres d'altitude. Là-haut, sur la première partie, le sentier sillonne au milieu d'une large prairie et la température est bien tombée. À la montée, Thomas me fait signe, 3 boucs approchent. Nous nous jetons à terre et capturons quelques images de cet instant. Un éther-loup est repéré, mais il est en mouvement et distant de plus de 250 mètres. Avec le vent, le tir se révèle être difficile avec un gros risque de blesser l'animal. Je ne tente pas. Nous sommes peu avant midi et après une magnifique approche, je suis en position de tir. Ils sont à une cinquantaine de mètres, mais pour l'instant, pas d'éther-loup. Finalement, nous sommes repérés. Et là, en troisième position, c'est un éther-loup. Impossible de tirer, il passe en dessous de nous à bon trot. Le groupe arrive sur le versant d'en face et rejoigne une autre chevrée. L'éther-loup s'est dissimulé en se mélangeant avec les autres animaux. Il est 15h et la journée est bientôt terminée.
quand mon guide repère 4 chamois. Après un dernier coup de jumelle, Thomas me confirme la présence d'un éther-loup. Il est en 4e position. C'est la dernière opportunité de la journée et je me dois de la saisir. Concentré, je me place en position de tir sur le sac. L'arme est bien calée à mon épaule. Je bloque ma respiration. Le coup part. Il est mort. C'est bon, il est. Super. Pas les. Ça va mettre. Nickel, bah merci Thomas. Super, hein. Merci. Je t'avais pas vu. J'étais juste là. Ah bah super. Félicitations. Merci bien. Merci aussi à la bête parce que ça fait plaisir. Super. Non, c'est une belle chasse. T'as vu ? Ouais. Non, c'est une belle chasse et puis on s'est donné du mal aujourd'hui. Ça a été dur. Non, t'as la tête par terre. Tu vas prendre avec toi. La nature est belle et je ne peux que la remercier de m'avoir permis de réaliser le prélèvement de cette magnifique éther. Après 8 heures de marche à l'épreuve d'une météo très rude, Saint-Hubert m'a couvert de bonheur.